C'est ce qu'on appelle le système de Coville. C'était déjà, ça existait déjà en 1998, hein, le port des canals était relevé en gros par ce type de système. Ce qu'il y a, c'est que vous aviez des navettes externes et des navettes internes. Pourquoi on avait les deux? Mais tout simplement, voilà un wagon tel qu'il était utilisé dans ce système. Donc, des wagons comme ça, il y en avait trois ou quatre qui étaient, traînés par un lot compacteur, un moteur thermique. Moteur thermique qui bien sûr gaz d'échappement, ils sont pas bons pour la santé, et à l'intérieur des galeries que vous avez là, qui n'étaient pas ventilés, les gaz d'échappement, ça ne pouvait pas s'échapper. Parce qu'il y avait de fourrière. Donc, on avait un deuxième système interne à base de petits wagonnets, comme celui-ci, et de locotracteurs électriques. Alors pourquoi on était obligé de changer de wagon? Pour deux raisons. La première, c'est que dans certaines galeries, vous avez des portes. Et les grands wagons n'auraient pas passé les portes. Deuxièmement, le rayon de braquage de certains virages était tel que ces grands wagons ne passaient pas. Donc il fallait transférer des navettes externes vers les navettes internes. Une rame externe, c'était grosso modo 3 à 4 wagons. Sur chacun des wagons, vous pouvez mettre 6 à 8 tonnes de marchandises, donc grosso modo entre 20 et 24 tonnes de marchandises à chaque rotation. Les rotations se faisaient bien entendu de nuit, pour éviter les tirs d'artillerie ennemis ou tout simplement les bombardements. C'est ça. Donc on pouvait faire un certain nombre de rotations par nuit. Et le nombre de rotations était limité tout simplement par la vitesse à laquelle on passait d'une rame interne externe et d'une rame interne. Pour maintenir les caisses de munitions hautes, il fallait compter grosso modo entre 40 à 45 minutes. Pour céder, on avait au plafond les rails que vous avez ici, sur lesquels pendaient des palans. Et grâce au talent, vous pouvez manutentionner les charges de la navette externe vers la navette interne. Les caténaires que vous avez au-dessus de vos têtes, qui par ailleurs sont toujours alimentés, donc à l'époque, se trouvaient là où vous avez les diamants, ici. Et c'est ce qu'on voit sur la photo là-bas. Donc ces caténaires dans la gare se trouvaient à cet endroit-là. Et pour alimenter le locotracteur, on avait tout simplement une perche mobile. Une perche mobile, c'est ça. Vous aviez donc un soldat qui tenait la perche mobile, qui était relié naturellement par la fibre que l'on voit ici, au locotracteur électrique, et ce, jusqu'à l'entrée de la galerie principale. Dès qu'on rentrait dans la galerie principale, le locotracteur, lui, élevait sa propre perche et s'alimentait directement sur les catégories. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette gare? Ici, vous avez de la pierre de taille. C'est pas ce qu'il y a de plus solide, hein, le béton c'est mieux, mais pour l'époque, on avait mis de la pierre de taille pour une raison très simple, c'est que pendant que nous, on a marché au niveau horizontal, la colline, elle a monté. Et ici, à cet endroit-là, on est déjà à plus de 25 mètres en dessous du niveau de la colline. Et pour l'époque, 25 à 30 mètres de rocher, c'était suffisant pour se protéger de toutes les bombes ou obus qui existaient à l'époque. Maintenant, on a fait des gros progrès, hein, je vous rassure tout de suite. Donc, essayer de se cacher ici en pensant échapper à, ce serait moyen. Plus loin, oui, mais pas ici. Donc, la pierre ici qui a été utilisée, c'est la pierre de Jeumont. Bien, c'est dans le carrière qu'ils sont. Et pour ces Messins, bah, c'est la pierre dans laquelle on a construit la cathédrale de Metz. Vous connaissez, à part les Messins, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont touristes, c'est à visiter. C'est une très belle cathédrale. C'est la cathédrale dont la nef est la plus haute de France. Et en plus, il y a des très beaux vitraux de chagrin. Donc, ça, c'est un petit détail. C'était la plus pour nous. Bon, pour construire ici, bah, il a fallu construire. Hein. 1600 ouvriers à 1800 ouvriers, H24, pendant 7 ans. On commence en 1928 et on termine en 1935. Donc ça a été quand même relativement vite. Mais pour accélérer un peu les choses, c'est simple, le long des galions, on pose intervention des fûts verticaux. Et à partir des fûts verticaux, on pouvait attaquer sur des fonds supplémentaires. On a creusé à la main. À l'époque, il n'y avait pas de tunnelier, donc c'était au pic et au marteau pic. Et les dévêtes, tout simplement comme dans les lignes, avec des bagues de l'industrie. Alors maintenant, on va continuer un petit peu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ça reste quand même un peu convivial, qui n'est pas moins qui cause. Voilà, ben, on verra ça, vous verrez. Alors, l'électricité ici, c'est du 600 volts, mais comment on continue là. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que le moteur? C'est quelque part le livre. Les M2. Alors, on va mettre ici les M2. Alors, le principe est très simple, un des pièces d'art. Ça fait donc vous d'être en train de gêner. Donc, on fait des pièces d'art civiles, qu'on appelle M3. Dès que vous commencez à tirer, on prenait des munitions dans le M3. On approvisionnait ce M3 à partir du M2 qui se trouvait à la base de chaque zone de combat. Donc, en dessous, ces munitions montaient du M2 par l'intermédiaire de mon char. Le M2 était réapprovisionné tout simplement à partir du M1 et grâce au pétition interne. Et le M1 lui-même était réapprovisionné à partir du dépôt de Rélange qui se trouvait à une frontière ici, ou même à 23 km ici, par l'intermédiaire, des navettes externes et puis du petit train interne. Dans ce magasin, le voilà, à quoi il ressemble. On a deux galeries horizontales, une galerie hémisphérique, 9 alvéoles. Chaque alvéole fait 22 mètres 50 de long sur 5 mètres de large, 7 mètres 30 de long. Et on s'occupe. Comment ça fonctionnait? C'était très simple. La navette interne s'arrêtait ici, on détenait les wagonnets. Il n'y avait bien entendu pas de caténaire à l'intérieur du magasin à munitions. Pourquoi? Voilà, ça risquait de faire des étincelles. Donc, mais pour céder, il existait un cabestan électrique. Donc, on accrochait les wagonnets à la cage et on tirait. On regarde les différentes navettes dans lesquelles on déchargeait les munitions correspondantes, soit du mortier 81, du mortier 50, de l'anticharge 67, du canon 75 ou des lance-bombes de 135 mm. Les munitions étaient livrées dans des caisses comme ceci, y compris un seul nombre de litres. Pour ouvrir les caisses, on avait le petit maillet qui était là. Alors vous voyez, l'envoi, comme ça, c'est peut-être pas des pincettes, on peut pas dessus. Et ensuite, on transférait les munitions dans des caisses via munitions, comme cela. Hein, comme ceci. L'avantage, c'est que quand on transfère la durée, au lieu de, j'allais dire, manutentionner quelques obus, 6 obus par caisse, et bien, on manutentionnait directement 50 obus de 75 mm. Au début, à Kahlberg, pour rien en faire, il faut simplement le visiter. Donc, les hommes qui ont bien fait passer à côté. Puis après, en 43, ils vont l'utiliser. Il faut savoir qu'à partir de 43, les Alliés commencent à bombarder très sérieusement l'Allemagne. Les Anglais bombardaient les pays ennemis et les Américains s'attaquaient aux infrastructures industrielles le jour. Donc, ils vont essayer d'enterrer un certain nombre d'usines stratégiques. Et ils vont penser entre autres à Kahlberg. Surtout, on a creusé les galeries, pourquoi ne pas s'en servir? Et ils vont installer une usine de construction de moteurs dans le Kahlberg, c'est donc sur Kessler et Loïs qui s'occupent de ça. Ils vont installer au niveau de la gare d'échange et dans les alvéoles, après avoir tout démonté ce qu'il y a au-dessus, ils vont installer ce qu'on appelle des bagues de cémentation. Alors, les bagues de cémentation, c'était utilisé pour durcir les pièces de moteur. Et au niveau des cases allemandes, ils vont installer tout simplement une usine. Dans cette usine, il y avait environ une centaine d'ouvriers allemands qui travaillaient et une centaine d'ouvriers ukrainiens. Ils ne logeaient pas au Wackenberg, ils logeaient en dehors, mais ils travaillaient. 44, d'abord en novembre, en septembre 44, pour déménager cette usine, hein, vous avez bien arrangé, il y a une petite garnison allemande qui va occuper le Wackenberg, et en novembre 1494, ainsi quitté le Wackenberg. Juste avant, ils vont passer tout ce qui restait comme munitions au monde. Et c'est pour ça que le magasin de munitions a deux des trois avions qui sont quand même très très mauvais là, et que l'entrée de ce magasin est à l'intérieur. Voilà, c'est pas de choses. Alors on stockait ici, pour l'intégralité de l'ouvrage, 470 tonnes de munitions, donc 280. Et les calculs qui avaient été faits à l'époque, c'est qu'en cas de combat intensif, comme Berlin et autre chose, la consommation en munitions de l'ouvrage devait s'élever aux alentours de 200 de tonnes par jour. D'où l'intérêt de pouvoir continuer à approvisionner. Des questions? Non? Bon, c'est déjà pas mal. La question, elle fait 4 mètres de haut et 7400 kilos. Il faut éviter de la prendre sur les pieds, ça fait mal. C'était ce qu'on appelait à l'époque le dispositif d'obturation. Autrement dit, une porte par souffle.
Petit problème, en cas d'explosion, comme je vous l'ai dit, le souffle était réorienté vers l'entrée de l'ouvrage. Mais à l'entrée de l'ouvrage, vous avez deux portes consécutives. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le souffle de l'explosion? Il rebondit. C'est comme les balles de tennis avec les murs, mais c'est un peu plus rapide. Hein. La vitesse, normalement, de l'onde de choc d'une explosion, c'est entre 2000 et 3000 mètres secondes. Donc, ceci explique un peu ça. Néanmoins, à quoi servait cette porte grand? Bon, elle n'était pas fermée automatiquement. Ici, on avait deux soldats qui se tenaient en permanence, prêts à fermer la porte. Ils la fermaient soit sur ordre, soit si jamais ils entendaient la sirène. Pour la fermer, il y avait un dispositif avec des ressorts ici, et surtout là-bas, il me dit à d'autres fois. On libérait le crochet que vous voyez là, et la porte se fermait en 10 secondes. Pas mal. Petit problème pour la ouvrir, il fallait 10 minutes. Alors, entre-temps, pour pouvoir passer d'avant en arrière, vous aviez ici un petit souterrain hein, qui débouche ici et qui prend qui est à partir de là-bas. Et là-bas, vous verrez en passant, vous avez une porte de l'intérieur. Donc, on pouvait passer, si jamais il y avait une explosion, ou n'importe quoi, une alerte, on attendait un instant et on passait par ici pour aller voir ce qui s'était passé. Bon, la porte dans les états, c'est simple. Ici, vous avez, regardez, un membre. Il faut savoir que lorsque les Allemands ont créé leur usine à l'intérieur, ils ont voulu rentrer leur machine outil. C'est leur machine outil et c'est trop large. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué le dormant de la porte, c'est-à-dire cette partie-là au chapeau, le mur au marteau piqueur, et ils ont fait rentrer leur machine outil. Quand ils repartent, ben, comme je vous le dis, ils vont faire sauter les munitions, et quand l'onde de choc va revenir, elle va claquer la porte. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur de l'ouvrage.
Chaque moteur, bon, ça tournait aux environs 360 tours minute, ça produisait 375 chevaux en puissance et ça produisait au système électrique environ 320 kW par moteur. Deux moteurs suffisaient pour alimenter l'intégralité de l'électricité nécessaire pour l'ouvrage et même dans votre transmettre un petit peu de l'électricité de ce que vous. Troisième moteur pouvait être prêt à partir au cabot et le quatrième moteur en maintenance. Les moteurs fonctionnent toujours. Alors, pour fonctionner, c'est ça. Vous avez ici les bouteilles de la on ouvre la carte on injecte la carte ici, la carte et dès qu'on a atteint la vitesse de la carte ça passe un autre tour de moteur, on ouvre la carte. C'est une vidéo, c'est un moteur. Ça, et bon. Petit truc amusant, les moteurs en question, ce sont les moteurs de conception allemande. C'est un moteur en Allemagne qui était construit sous licence par la Société Générale de Construction. Bon, cela dit, dans les transformateurs, vous avez aussi un petit élément. C'est toujours amusant de savoir que les Allemands ont voulu à la construction de la ligne imaginaire. Oh, vous avez souvent des industriels qui trouvent bizarre quand on passe des commandes. Enfin, si vous regardez, et même je pense. Ah oui, mais on va la construire, c'était avant la guerre. Un industriel, de toute façon. Regardez le nombre de matériels militaires qui sont censés ne pas être exportés, qui le sont quand même.
Regardez, bon, cet exemple est une aparté. On parle des drones iraniens utilisés par les Russes. D'où viennent les processeurs qui sont dans les drones iraniens? Ils viennent des États-Unis. Théoriquement, si mes souvenirs sont bons, il y a un embargo qui interdit ce genre de choses. Donc, ils arrivent probablement à trouver. Donc, vous avez toujours des gens qui arrivent. Alors, les moteurs fonctionnent, mais ce n'est pas tout à fait les moteurs d'origine. Pourquoi? Mais en 1941, les Allemands, bon, ils ont récupéré la guerre, ils ont vu, et en 1941, sur l'Atlantique, ils vont construire un segment de base de sous-marin. À l'Orient, en fait, Saint-Nazaire, Bordeaux, et ils vont récupérer les moteurs de l'air pour les mettre dans la base de sous-marin. Petit problème, en 1943, quand ils vont construire l'usine, ils n'ont plus l'électricité. Donc ils vont remettre un moteur. Alors, de moins de puissance, mais il y avait trois moteurs. Et c'est en 1949, l'OTAN qui va reconstruire totalement l'usine. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait une possibilité d'avoir un conflit entre l'OTAN et le parc de Varsovie. Donc, ils ont payé pour remettre en action un certain nombre de droits d'énergie. Alors, non pas pour en faire des blocs de combat, mais plutôt des dépôts souterrains. À titre indicatif, pas tellement loin d'ici, vous aviez le pouvoir de Roche-Montmirail, qui, jusque dans les années 90, va servir de VIC pour la concurrence française. Voilà, pour ces moteurs. La seule chose qui a été refaite depuis, ben c'est ceci. Hein, c'est le système d'échappement, tout simplement lorsque vous aviez de la vente et un peu comme ça. Vous avez donc les échappements ici et les arrivées d'air au-dessus de l'air. Et ça va directement dans la galerie. Même de l'entrée des gens. Ah oui. Question? Est-ce que c'est encore un temps de fonctionner? Ah mais ça fonctionne, oui, c'est ce que je disais. On fait tourner un moteur. Le
sur pression à l'intérieur, ce qui fait que si jamais l'adversaire est essayé par une embrasure ou n'importe quoi d'un jet, il y a un poster, bien la figure. Bien. Bien fait pour lui. Deuxièmement, l'adversaire visé, vous pouvez se dire, c'est simple, on va envoyer du gaz vers une ligne rouge. Donc on a un aspect gâché ici. Et on va faire l'air des gaz, puisque ce que c'est, là, tout simplement on switchait ici, et l'air qui était pompé à l'extérieur passait par la centrifuge avant d'être injecté. Tout simplement. Est-ce que c'était efficace? Ben, je ne sais pas, parce que ça a pas servi. Alors, la simple petite chose que l'on peut dire sur le système, c'est qu'ils avaient testé le système avec des lance-flammes, en tirant au lance-flammes sur les entrées d'air. Et on s'est rendu compte que les fils, que les slips des lance-flammes, comme l'appelaient les fils. Donc, est-ce que ça aurait servi? Bien! Fort heureusement, il n'y a pas eu de guerre des gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les gaz qui ont été utilisés dans les années de l'administration, c'était d'ailleurs le principe ici à la base, mais les gaz pour qu'on dit, gaz pour les gaz. Et pourquoi il y en a pas eu? Parce que tout le monde en a un droit pour l'autre. Et c'est que je balance les gaz sur ça, mais on voit autant qu'il y a pas eu pour s'attaquer à la population. Donc on a évité. C'est d'ailleurs une des seules choses qui a été à peu près évitée pendant cette Seconde Guerre mondiale. Voilà, et en plus vous êtes passionné par le monde. Alors, je vais dire celle-là, mais je dis la porte qui m'aurait fait la vie. Et j'ai une belle chance de l'écouter. Allez, j'ai une petite master. Installé leur usine, ben ils ont détruit tous les murs des casernements, hein, pour mettre des lignes de production. Donc tout ce qui était les poissons, les ponts et tout. Et à la place, ici, on a installé un petit musée que vous allez pouvoir regarder maintenant. Alors, dans ce musée, vous allez voir, on a tout ce qui permet d'oxyder gentiment son voisin depuis 1970 jusqu'à 1945. Et là, le grand lieu, du coup, ça va pas les garder. On va parler des transmissions. Oui,
Ouais, ça va, c'est riche.